Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Tolis du Quat. Oui, c'est les Tolis du Quat. Mais justement, ça fait un bail. Et ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo et vous allez sincèrement aussi m'excuser. C'était aussi dû aussi à quelques occupations. Et comme je le dis un peu le plus souvent, pour celui qui veut mettre les organes, pardon, qui passe seulement comme un tacite. Parce que moi, ce qui concerne les retours à nos, comme d'habitude, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, oh, ça ne doit jamais me concerner. Parce que ici, là, les gens de commentaires qu'on tape ici, c'est les commentaires des Mantoum ton quartier. Donc, les quartiers difficiles, là. Donc, le genre qu'on tape dans les bas étages, là. Donc, au niveau le plus bas. Aujourd'hui, c'est là, quand on parle souvent que, on te dit de marcher droit, tu regardes droit devant toi. Tu dis que tu vas toujours marcher, toujours en regardant toujours le sol. Il faut savoir qu'il y a les gars qui ont développé encore un autre système que tu ne peux pas imaginer. Hein? Toi-même, écoute la vidéo là. Écoute jusqu'à la fin. C'est la diarrhée Massa. La diarrhée qui ne dit pas son nom. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Vous voyez un peu, voilà le système que les gens prennent, les gens vont marcher avec les bandits. Il attend un paquet, donc il prend un truc de. Un faux papier de Jimmy. Bon, je vais détacher, vous allez voir. Un faux papier de Jimmy, il jette au sol. Quand il voit, tu te dis que non. C'est l'argent que tu as ramassé. En retard maintenant, le bandit à côté de toi, il te voit. Hein. Quand il prend, il te dit que. Là, j'ai moi, droit de l'œil, droit de l'œil. Maintenant, tu n'as rien. Je vais filmer, vous allez. Je vais détacher, vous allez voir. Non, pour que me dit, ça ne parle pas pour eux. Voilà maintenant les cailles que voici. Je vais détacher, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est du fou. Donc, c'est des bandits maintenant qui ont pris le dehors, embêter un peu. Voilà les bandits, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez vous-même. Ça, c'est papier. Et les coques, ils ont emballé. Vous voyez? Ils ont emballé comme ça là. Avec les papiers comme le spagras. Les Jimmy, vous voyez, les papiers. Quand ils emballent comme ça maintenant, ils jettent en route maintenant. Quand ils voient, tu ramasses, ils disent que j'ai moi, j'ai moi, j'ai moi. Hein, tu as ramassé un Jimmy, donc tu as même 2000, ils simplifient. Moi, ils donnent jusqu'à 2000. Ils disent que j'ai moi, je donne même 5000, j'ai 5000, je suis un Jimmy comme ça là, tu me gères pas. Oh, moi, ils me disent que c'était un paquet d'argent, même de 100 000. Bon, il y a 2000, je suis remis les 2000 là. Donc, regarde, faites attention. En Dobas, c'est grave. Et puis, ça, quand Dobas, c'est marché. À Douala. Donc c'est très grave. Capital économique, vous voyez, là les bandits dehors. Vous voyez les gars réfléchissent nuit et jour. Donc les gars, faites attention. Parce qu'un va là-haut, soit qu'il ne prend pas haut. Sauf s'il est sûr que c'est l'argent. Ou bien dès qu'il prend, il décide directement devant la personne pour contrôler si c'est le vrai argent ou pas. Vous voyez, comme ça les bandits. Donc soyez prudents. Oui, donc voilà, on te dit de marcher droit. Tu dis donc que non, je veux que marcher en regardant le sol. Parce que tu espères quoi? Tu espères dire que tu vas ramasser quelque chose, ou bien soit de l'argent, ou du téléphone, ou bien quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a les gars qui sont là, ils sont en plein étude de bourreau. Hein. Oui, ils sont là. Hein? Les gars ont encore décroché encore un autre niveau que tu ne peux pas imaginer. Hein? Là, tu vas marcher là, tu arrives là, tu vois un peu, tu vas parler là, tu penses ou bien que tu as ramassé que le million, ou bien c'est qu'un bout même qui a jeté ça comme ça, oubliant que c'est ton piège même qu'on a mis. Ton piège même qu'on a posé. Tu vas ramasser le gars va t'angoiser, tu vas sortir ton argent de l'un. Quand tu vas te cacher quelque part, détacher, toi-même tu vas voir ce qu'il y a là-dedans là. Les pleurs du bord là, ils vont commencer. Hein? Dans la vie. Bien sûr que. Il y a des fois la chance pour se tourner, tu ramasses quelque chose qui est oui. Mais sache alors qu'il y a le karma toujours de ça. Donc les gars vous observent. Tu sais, portez-vous bien. Moi, c'est l'ambassadeur.